Tu vas où, frère? Je reviens vite fait, je vais chercher un pain à la cantine. Ah, vas-y, ramène-en et prends un fromage avec, s'il te plaît. Bon, on va faire un contrôle. Ok, j'ai rien fait. Monsieur, moi aussi, la vie de ma mère, j'ai rien fait. Regardez, j'ai ma carte d'identité. C'est ta carte de cantine et une évaluation, pas un contrôle de police. Ah, c'est bon, Yanis, tu peux revenir, y'a rien, t'inquiète. Pourquoi tu veux que je revienne? J'étais caché, tu m'as balancé. Mais non, mais il a dit, c'est pas un contrôle de police, c'est une évaluation. Demande-lui. Bon, qui veut distribuer? Moi. Ouah, le bon élève. Tiens. Ah! Ouais! Je vous connais par cœur, j'ai imprimé d'autres feuilles au cas où. Combien le rectangle a-t-il de côtés? Hey, Théo! C'est quoi la réponse à la 2? On triche pas. J'ai pas triché, monsieur, je lui ai demandé un stylo. Bah, il a 4 côtés, wesh. 1, 2, 3, 4. Oh, je suis trop chaud. Pourquoi il regarde le plafond, lui? Il y a les réponses là-haut. Justifiez votre réponse. Ouah, là, c'est vrai. Monsieur, dans la question, le rectangle, il a combien de côtés? C'est grave si j'ai débordé ou pas? Bon, allez, c'est fini, vous me rendez vos copies? Eh, comment c'était dur? Vous avez mis quoi dans justification? Moi j'ai mis voilà, c'est vrai. Moi j'ai écrit la vie de ma mère, c'est vrai. J'ai écrit en majuscule, comme ça il lit pareil. Eh, vous êtes trop bête, frère, vous avez faux. Jure, c'est quoi alors? 2 points, ouvrez les guillemets, comptez par vous-même. Ah ouais, je suis bête, j'aurais dû mettre ça. Wesh, ils sont tout nus sur le tableau, frère. Ah ouais, ils ont la quéquette à l'air, tout ça. Ah, et ces crados, ils prennent ça en photo. Eh madame, moi juste 10 euros, moi, vous me prenez en photo, allez-y. On est désolé. Bon, tenez-vous bien un peu, là. On a de la chance que l'école paye cette sortie. Wesh, regardez là-bas. Wouah, comment elle est belle, frère. Eh, monsieur, pourquoi il y a une vitre autour de ça, là? Car ça coûte 100 millions d'euros. Non, tu mens, jure la vie de ta mère. Je vais la voir. C'est comment, là? T'aimes bien le tableau? Oui, il est magnifique. C'est moi, je l'ai fait, wesh. C'est moi, regarde en bas la signature. Ouais, j'ai fait plein de tableaux. Quoi? Viens. Vas-y, y a un mec qui veut que j'aille faire une peinture. Je vais aller peindre sa quéquette, j'arrive. Eh, on a eu une idée, t'es pas prêt. J'espère que tu m'as pas fait venir pour rien. Hein. Eh, je te jure, on a eu une idée de fou, frère. Tiens, regarde. C'est quoi ça, wesh? Ah, ça pue, frère, c'est quoi? C'est une œuvre d'art. Comment ça, une œuvre d'art? Elle pue la merde, ton œuvre d'art. On va faire croire c'est une vraie œuvre d'art. Et si les gens veulent la prendre en photo, ils vont devoir payer 10 euros. Ah ouais, pas bête, mais c'est quoi? C'est un caca de chien, frère. Ah ouais, je suis pas trouvé ça, frère. Eh, y avait une vieille, elle avait un chien. J'ai pris son chien discrètement, après j'ai... C'est bon, j'ai pas envie de savoir, ferme ta bouche. Merci, désolé, j'ai pas de monnaie. Wesh, il se passe quoi là? Courez! Je fais croquer les chips. Ah, c'est sûrement elle. Ouais, c'est qui? Roulement de tambour! Moi je dis c'est la directrice! Ouh! Eh, vas-y, rentre là, c'est qui? Bonjour. Bonjour Emma, bienvenue. Fermez les yeux, les gars, wesh, c'est une malédiction! Je vous présente Emma, c'est une nouvelle élève dans notre classe. Je crois que je suis un loup-garou, je commence à avoir l'instinct animal. J'ai des idées sombres! Eh, mais les gars, moi je pense que c'est un piège, hein, faut regarder dans le pantalon là, parce que c'est comme si tu mets un mouton dans l'enclos des loups. C'est vrai qu'elles sont pas mal les chips, tu les as volées où? Emma, tu t'assois où tu veux, si quelqu'un peut lui faire une place. Casse-toi! Ici. Viens, à côté de moi, viens. C'est bon, calmez-vous, elle va s'asseoir devant moi. Pourquoi devant vous? Ouais, pourquoi devant vous, espèce de pédophiliste? La vie de ma mère, ça va pas se passer comme ça. On se calme. Mais j'ai fait quoi? C'est rien, c'est juste un mec, il était allongé dans la rue, je lui ai pris. C'est moi, je l'ai vu en premier. Viens là, toi. Wesh. C'est à moi. 2, 3. Je l'ai. Premier qui touche, premier qui a. Bah vas-y, passe ton maillot, je l'ai touché. T'es fou, toi, c'est mon maillot, frère. Hop là, celui qui pique, je le pique. Wesh, elle existe même pas ta phrase, espèce de clochard. Rends, c'est à moi. J'ai juré, c'est à moi, vas-y, rends. Tu crois c'est fini? Et je vais attendre que tu chies, on va aux toilettes maintenant. Ouais, vas-y, on va aux toilettes. Et tu vois ton caca? On va l'attendre gentiment. Hein, moi, je vais rien attendre du tout. Viens là. Wesh, lâche-moi. Wesh. Je suis maudit, frère. C'est à moi. Je la confisque. Je la mets dans mon portefeuille et je vous la rendrai à la... Oh. La vie de ma mère, on va passer aux infos ce soir. J'accepte de rejoindre le côté obscur. C'est la rébelliade!
Calage, 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 calage sur la mélodie. Fête des mères, fête ta mère. Fête des pères, fête ton père. Ton anniversaire, j'arrive. Bon bah, vu que vous avez l'air d'avoir envie de chanter, quelqu'un va venir au tableau et il va improviser une musique. Sur la vie de ma mère, c'est pas moi, j'y vais, la vie de ma mère. Moi monsieur, la vie de votre mère, j'y vais pas. Voilà, comment on fait maintenant? Vous habitez 4 rue François, vous avez 2 enfants et une femme qui s'appelle Virginie. Vous voulez prendre le risque? C'est pas moi qui y vais, non, c'est pas moi. La vie de sa mère, c'est pas moi, j'y vais. Bon, bah, il reste plus qu'une personne. Si tu vas pas chanter au tableau, ta mère, elle va mourir. Hein? Tu te démarres, toi, ou quoi? C'est vrai, frère, si tu vas pas, ta mère, elle va mourir. Wesh, c'est vrai, monsieur? Ouais. Wesh, je suis énervé. Coup de marteau, pas, pas. Coup de tournevis, scling, scling. Fais pas le fou, je te défie. Ouais, oh, il m'a ambiancé, j'ai envie de me battre. Coup de hache, coup de tronçonneuse. Je te démarre, je t'écrase par terre. Je t'écrase ta mère, je t'écrase par terre. Qu'est-ce qui m'a pris? Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Ça résonne dans toute l'école, là. Sauvé. Vas-y, danse, bitches. Je te demande pardon. Danse. Vas-y, danse comme dans les clips. Toi aussi. Fais pas le fou, coup de marteau. Dans ta tête, t'as un trou. Fais pas le fou, coup de marteau. Dans ta tête, t'as un trou. Coup de marteau. Dans ta tête, t'as un trou. Coup de marteau. Dans ta tête, t'as un trou. Je démissionne. Masque à gaz. Wesh, moi j'aime bien l'odeur. Ça me rappelle le grec de tout à l'heure. Ah ouais, ça sent bon. Ah, t'as pris sauce ketchup. Bon, je vous rappelle que c'est le conseil de classe ce soir. C'est bizarre, d'habitude les élèves se tiennent bien avant le conseil de classe. Conseil de classe, y'a des chiens de la casse. Je me balance, je te fracasse. Wesh, ma tender, c'est qui la croquée dedans? Je m'excuse pas pour le retard. Mais là, c'est plus un retard, là. T'es en avance pour le prochain cours. M'en bats les couilles, frère. Bah, y'aura des choses à dire à ce conseil de classe. Y'a rien à dire, de toute façon, c'est très bien, c'est moi le pire élève. Wesh, je viens d'entendre une dinguerie là, t'es fou, c'est pas toi le pire élève, c'est moi. Wesh, vous êtes sérieux ou quoi les gars? La vie de ma mère, c'est moi. Non mais je rêve là. Oh le mytho, ta mère, elle va mourir. Toi, oublie pas, ta mère, elle s'appelle Priscille. Elle a un nom d'assaisonnement, tu viens parler avec moi. Oh, j'ai entendu ta grosse mère, la grosse chienne. Eh monsieur, moi, vous mettez des heures de colle au conseil de classe. Eh moi, monsieur, minimum, je suis exclu une semaine. Eh moi, vous m'excluvez de l'école. Eh mais vas-y, vous, monsieur, au pire, dites-nous, c'est qui le pire élève? Bon, vous savez quoi, on va faire un truc. Avant la fin du cours, celui que j'entends le moins et qui a le meilleur comportement sera le pire élève. Et le premier qui parle, je lui mets les félicitations. J'ai dit, vous avez pas le droit de parler, pas de respirer. Ah! Il a parlé. Lui aussi, il a parlé. Ta gueule, menteur. Fais ah. Pourquoi t'as fait ça? J'ai toujours eu envie de faire ça. Bon, levez-vous, on va aller faire la photo de classe. Ouais, je commence à la photo de classe, c'est bientôt les vacances. Allez, dépêchez-vous. Bonjour tout le monde, je suis votre photographe aujourd'hui. Donc on ne va pas faire des photos collectives, on va faire uniquement des photos individuelles. Donc je vous laisse passer dans l'ordre que vous voulez. Je commence. Je te laisse te mettre en place. Oula, je pense pas que ça va le faire. Wesh, c'est ta photo ou c'est ma photo, mon frère? Au suivant, s'il vous plaît. Bonjour. Parfait, ne bouge pas. Au suivant! Prends-moi en photo comme ça, moi je suis plus stylé sur le côté. Bon, c'est fini pour moi, merci beaucoup et bonne journée! Wesh, il va où avec nos photos? Nous on les a quand, nous? Elles seront disponibles dans quelques jours au prix de 20€, il me semble. Wesh, c'est payant! Wesh, je vais payer pour une photo où il y a ma tête. Normalement, c'est toi que tu payes pour nous prendre en photo. Je vous laisse voir ça avec votre prof. Ah non, c'est pas moi, j'ai rien à voir avec ça. C'est lui. Vous allez où, là? Excuse-moi, je m'en vais. Ah non, faut payer pour sortir. T'es pas prêt, j'ai fait un de ces plans, je vais avoir le premier vin de ma vie, c'est bon? Comment ça? T'inquiète, tu vas voir c'est quoi l'intelligence. Ah monsieur, je suis pas allé aux toilettes, s'il vous plaît! Tu peux pas te retenir! C'est mort là monsieur, je suis trop pressé, j'ai pris la poubelle carrément! C'est bon, tu peux y aller, pose-moi ça! Merci! Eh, je suis un génie! Alors, comme je vous avais prévenu la dernière fois, aujourd'hui on va faire un atelier poterie. Vous allez faire des pots en argile. Eh, ça se graille l'argile! Monsieur, j'ai bientôt fini! Ah, il sent bizarre ton truc! Hein? Bon, ça suffit! Entrez! Bonjour. Qu'est-ce que tu caches sous ta veste? Y'a rien. Y'a une grosse bosse. C'est rien, monsieur, c'est juste, j'ai chié tellement fort, ça m'a gonflé le ventre. Dépêche-toi de sortir ce que tu caches. Vas-y, je vais encore avoir zéro. Qu'est-ce que c'est que ça?
Bah au dernier cours, vous avez dit qu'on allait faire des pots. Du coup, moi je me suis dit, ouais, je vais ramener un pot en cachette, je vais l'acheter, je vais le cacher, et je vais vous faire croire que je l'ai fait en cours. Mais des pots en argile, des pots de fleurs, pas des pots d'échappement. Bah moi, monsieur, c'est encore mieux, il est en métal, c'est un pot de moto. Wesh, attends, t'es un menteur, tu l'as pas acheté. Comme par hasard, mon père, on lui a volé son pot hier, c'était le même. Wesh, c'est bon, je lui ai rendu service à ton père, il va marcher un peu, ce gros porc, à chaque fois il monte sur la moto, elle me fait de la peine, la pauvre. Eh, hey, tu devrais écouter le prof, hein, ça te ferait du bien un peu de sport. T'insinues quoi, toi, que je fais pas assez de sport? Non, juste que t'es un gros porc. T'es mort. Vas-y, viens là, gros lardon, je vais te bouffer, tu vas voir. Bon, allez, vous allez me faire 5 tours du gymnase, dépêchez-vous. Ouah, wow, bah vas-y alors, vous nous coursez, parce que moi je cours que quand il y a quelqu'un qui me court après. Genre la police. Et bah que la police en fait. Dépêchez-vous. Wesh, il court comme un Playmobil. Tu veux quoi toi? Ouais, je regarde comment il court lui. Ah, y a pas faute, y'a pas faute. Eh, hey, il simule. Wesh, il fait quoi le prof? Il est prof de sport, mais on l'a jamais vu faire du sport. C'est comme si lui, ce gros lard là, il me dit, ouais, je suis gros, mais je mange pas. Tu fais le pou, tu vas voir, toi. Vas-y, cours, ça va faire du bien. Eh, monsieur. Quoi? Il vous reste encore 3 tours, hein. Toujours c'est nous, on fait du sport, vous, on vous a jamais vu faire, imposteur. Pardon? Eh, on a dit 20 pompes, 20 abdos, tu fais ça 5 fois. Je suis blessé, je peux pas. M'emballe la couille, vas-y, fais les pompes. 4, 5. Je devrais en faire un peu avec lui, toi aussi. Je réponds plus à tes provocations.